Il s'agit d'un des systèmes livrables de votre véhicule. Les options du menu peuvent varier légèrement des menus affichés. Grâce à la transmission audio sans fil Bluetooth, vous pouvez sélectionner et lire des fichiers audio à partir de votre appareil Bluetooth compatible par l'intermédiaire de la chaîne audio du véhicule. Il est nécessaire de configurer la connexion sans fil entre un appareil audio compatible et le module Bluetooth intégré avant d'utiliser le lecteur audio Bluetooth. Pour connecter votre appareil au système, le véhicule doit être immobile. Appuyez sur le bouton « Menu », puis touchez « Connexion », puis « Ajouter nouveau » dans l'onglet « Bluetooth ». Utilisez votre appareil Bluetooth selon les instructions du système pour terminer le processus. La procédure de connexion varie en fonction du modèle de téléphone cellulaire. Pour tous les détails, consultez le manuel d'utilisation du téléphone cellulaire fourni par le fabricant. Une fois votre appareil connecté, vous pouvez activer ou désactiver le mode audio Bluetooth en appuyant sur cette touche. Appuyez sur le bouton « Audio » et touchez « Audio Bluetooth » pour accéder aux commandes du mode audio Bluetooth à l'écran. Utilisez cette touche pour procéder à la sélection. Il se peut que le lecteur audio Bluetooth ne soit pas disponible immédiatement après le démarrage du véhicule. Prévoyez une courte période pour permettre la mise à jour du répertoire téléphonique du dispositif jumelé avant de sélectionner ou de jumeler un lecteur audio Bluetooth. Dans certains cas, il se peut que la qualité sonore soit mauvaise en raison de la connexion Bluetooth. Si tel est le cas, il est alors recommandé d'utiliser le port USB. Veuillez consulter le manuel du conducteur Nissan Connect pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.